Sonnerie pour espérer. Le d'hier des Jacobins. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer. Nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly. Bonjour. Le frère François Daguet. Bonjour. Et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre d'hier. Nous sommes le 22 avril, deuxième mercredi après la Pâque de l'an 2020. Le jour nouveau du Christ s'est levé et il nous illumine. Notre monde est dans la main de Dieu. Et rien de ce qui arrive dans ce monde n'échappe à sa puissance, et donc à sa volonté, à sa sagesse, à sa justice et à sa bonté. Voilà ce que Dieu répète encore et encore en nous parlant dans les Saintes Écritures. Cette assurance que tout est dans la main de Dieu est particulièrement précieuse en temps d'épidémie. Car nos sociétés contaminées par le virus sont devenues des fourmilières qu'un bâton vient d'affoler. Et nous entendons monter de toutes parts des messages contradictoires, les uns pour affirmer que le chaos menace, les autres pour nous vendre l'illusion que tout sera comme avant, les uns pour se complaire à faire peur et les autres pour anesthésier toute crainte. Quand on ne sait pas ou quand on ne veut pas savoir que tout est dans la main de Dieu, même un virus, même chacun de nos cheveux, même chacun de nos actes, alors soit on perd son sang-froid, soit on se cache la réalité. La foi nous apporte le repère dont nous avons besoin dans l'épidémie pour considérer le trouble du monde sans être troublés nous-mêmes. L'espérance nous fait regarder ce qui arrive comme une nouvelle étape dans le chemin qui nous conduit à Dieu. Il n'y a dans ce qui arrive aujourd'hui rien dont le Christ ne nous ait averti. Cela ne supprime en rien les difficultés, les épreuves et les maux qui sont là ou qui s'annoncent. Mais cela n'en rend que plus nécessaire de tenir bon dans la foi qui nous tient ferme et dans l'espérance qui nous donne une assurance indéfectible. Nous avons choisi de nous tourner aujourd'hui vers un texte qui nous présente un climat assez semblable, ou en tout cas proche de celui que nous connaissons aujourd'hui, dans l'Évangile selon saint Marc. Frère Renaud. Au chapitre 13e. Veillez à ce qu'aucun de vous ne s'égare. Beaucoup viendront en mon nom en disant « C'est moi », et ils en feront errer beaucoup. Quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais cela ne sera pas encore la fin. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura des séismes en divers lieux, des famines. Ce sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Veillez sur vous-même. On vous livrera aux tribunaux et aux synagogues. Vous serez roués de coups. Vous vous tiendrez devant les chefs et les rois à cause de moi, en vue de rendre témoignage devant eux. Il faut d'abord que l'Évangile soit proclamé à toutes les nations. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de ce que vous devez dire. Cela vous sera donné à l'heure où vous parlerez. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit-Saint qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se lèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Celui qui tiendra avec constance jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ces jours-là seront des jours de détresse, comme il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à maintenant, et comme il n'y en aura plus. Si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, aucune chair n'aurait été sauvée, mais c'est à cause des élus qu'il a élus qu'il abrégera ces jours. Alors, un de ces textes que l'on appelle apocalyptique, c'est-à-dire au sens le plus immédiat, celui d'une révélation, d'une annonce, et d'une annonce qui concerne
un accomplissement, l'accomplissement du futur qui concerne ce qui doit arriver. Hein, et le Christ vient à la fois nous prévenir, c'est-à-dire il nous donne une certaine vision, une certaine connaissance de ce qui doit se passer, mais en même temps, on sent bien que tout cela reste très mystérieux. Hein. Là, il y a un double aspect, à la fois cette manifestation, cette révélation du temps à venir, c'est une révélation qui est une révélation qui, en même temps, nous laisse dans une certaine, une certaine obscurité. Voilà, alors le Seigneur a prophétisé pendant sa vie. D'ailleurs, parmi certaines de ses prophéties, certaines le concernaient lui-même. C'est les annonces de sa passion, de sa résurrection en particulier. Mais il a aussi prophétisé des choses qui s'accompliront dans un temps plus lointain. Néanmoins, ça forme un tout. D'une certaine manière, il a déjà accompli en partie les prophéties en lui-même, et d'autres sont en train de s'accomplir. Donc on voit bien que nous sommes dans le temps de la réalisation des prophéties du Seigneur. C'est ce qui donne d'ailleurs une qualité particulière au temps dans lequel nous vivons. C'est un temps que le Christ lui-même a annoncé et vis-à-vis duquel il nous a avertis. Il nous a donné des clés, il ne nous a pas laissé sans quelques aides pour discerner les temps. Du reste, on peut dire, son propos n'était pas de nous informer de ce qui se passerait du point de vue de ce qu'on peut lire dans les journaux, son propos était de nous informer de ce qui se passerait pour que nous puissions rester fidèles à lui-même, hein, fidèles à la foi, à l'espérance et à la charité. Alors tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a une concentration extrême du propos, en effet, pour nous, d'une certaine manière, quand le Christ annonce ces choses-là, il se place du point de vue de la consommation de toutes choses dans dans leur éternité. Donc il n'y a absolument aucune place dans ce genre de discours pour des événements transitoires, en quelque sorte, hein, pour des faits empiriques qui feraient simplement des nouvelles des gros quotidiennes titres de ou des gros titres, des choses comme ça. On voit bien qu'on est devant là il y a des genres hein, qu'ils cultivent, certaines listes qu'ils donnent, les fléaux, par exemple les guerres, les famines, les pestes, font partie de listes qu'on trouve déjà chez les prophètes. Bon, donc ça recouvre certainement des choses, bien sûr, mais en même temps c'est aussi le signe, ce que le Christ veut nous donner à travers ça, c'est la preuve de sa maîtrise sur les temps, puisque ayant prophétisé des choses qui se sont accomplies en lui, eh bien, il nous donne la certitude de l'accomplissement de ce qui s'accomplira plus tard. C'est d'abord comme ça qu'il faut prendre ce genre de texte. Et après tout, mettons-nous dans la situation des apôtres qui entendaient les prophéties relatives à la passion. Il y avait de quoi les bouleverser profondément, hein, aussi profondément que nous sommes nous-mêmes bouleversés par des textes comme celui-là. Or, le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Et donc, les choses qui ont quand même profondément perturbé les apôtres, au sens où le Christ leur a révélé l'accomplissement d'un dessein divin qui les dépassait et qui n'était pas prévu en tant que tel, eh bien, ça vaut aussi pour nous. Et donc, alors, ces textes-là, il faut pas les prendre en gros, hein, de façon... parce que sinon, autrement, on passe vraiment, à mon avis, à côté, si on les transforme en un discours flou. Il faut vraiment les prendre comme des incitations à l'espérance, à l'impératif d'espérer, et que, de fait, il y a des circonstances dans lesquelles l'espérance est un combat. L'espérance ne va pas de soi, mais elle demande une constance, et un ancrage ferme en Dieu pour pouvoir être maintenu. Et on a vu précédemment, dans des épisodes précédents, que l'objet même de ces tribulations, c'est d'affermir l'espérance, de lui donner une fermeté dans notre vie. Tout à fait, tout à fait.
Alors, ce qui est d'ailleurs intéressant dans le discours du Seigneur, bon, c'est prononcé à l'occasion de prophéties sur la destruction du Temple de Jérusalem. Et on voit bien la logique du Christ. C'est que les apôtres sont devant des constructions splendides, d'un prestige inouï, qui révèlent vraiment la majesté du peuple de la promesse, bien sûr. Et du coup, le Christ leur dit « Ne vous laissez pas impressionner par la grandeur et la puissance de ces constructions-là, que l'on croit indestructibles. » Mais il le dit aussi pour leur signifier ben, « Ne vous laissez pas non plus impressionner par les bouleversements à venir. » On voit bien qu'il y a les deux choses là, en fait. Parce que notre tendance à nous, ce serait de nous inquiéter pour l'avenir et de trouver notre ancrage dans les certitudes présentes. En tout cas, apparaît le plus ferme aujourd'hui, voilà, autour exactement. De nous. Et du coup, on voit que le Christ veut exactement inverser la logique, c'est-à-dire les pacifier vis-à-vis de ce qui viendra plus tard, mais en revanche, relativiser au maximum ce qui passe pour les grandeurs de ce siècle. Et relativiser, et là aussi pour les consoler, hein, et pour donner son objet précis et définitif à leur espérance. Ne vous confiez pas dans les choses qui ne peuvent sauver. Ça, on en a parlé tantôt avec le frère Éric qui nous avait parlé de ces magnifiques sermons de Saint-Augustin à l'occasion de la chute de Rome. Qu'est-ce qui paraissait plus indestructible que l'empire millénaire des Augustes? Ben là aussi, c'était quelque chose qui c'était une grandeur qui n'était pas à laquelle l'éternité n'est pas promise. Et c'est vrai que là, on a vraiment des chemins à faire nous-mêmes. Hein, bien entendu, penser au bouleversement qui nous a saisi il y a un an tout rond avec l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Pour nous, c'est Pierre qui ont traversé même la Révolution, la guerre de 70, le siège de Paris, tout ce que vous voulez. Et puis là, c'est nous qui en avons vu, pas l'anéantissement, grâce à Dieu, mais enfin en tout cas, un sévère coup de semonce. Donc c'est vrai qu'on se rend bien compte qu'on tient intérieurement à quantité de choses qui nous rassurent aussi, bien sûr. Et le Christ veut nous, quand même, vraiment mettre notre espérance dans les réalités qui ne passent pas, les réalités, pour le coup, apocalyptiques, celles qui se dévoilent petit à petit. Vous remarquez aussi que ce texte, en fait, il est au fond beaucoup plus balancé qu'on pourrait le croire au premier abord, puisque d'un côté viennent des impératifs à veiller, c'est-à-dire à rester vigilant, et donc à faire effort pour rester debout, et de l'autre, ne vous inquiétez pas, ne vous alarmez pas. Ça n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint qui parlera en vous. Donc, on voit bien qu'il y a deux registres. Il y a d'un côté la fermeté et la constance à laquelle le Christ exhorte, mais de l'autre côté, il leur promet quand même infailliblement l'assistance de l'Esprit. Ce qui fait que leur cœur ne doit pas se troubler, il ne faut pas s'inquiéter. Et devant, au fond, c'est quand même très important de se dire que l'attitude que le Seigneur veut que nous ayons vis-à-vis de ces bouleversements n'est pas, en effet, de sécher de crainte et de se laisser et d'être terrifié, mais au contraire, ne pas s'inquiéter. Ça, c'est là où on se rend compte qu'il y a un combat à mener, bien sûr, hein, et que, bien entendu, ce qui donne cette légèreté, d'une certaine manière, et cette absence d'inquiétude devant les bouleversements à venir, c'est là où c'est la force de l'espérance. C'est évidemment lié. Parce que, alors que ces événements pourraient provoquer la terreur, et semer l'épouvante, s'ils ne le font pas, c'est uniquement en vertu de la force de l'espérance. Juste un exemple, par exemple, ce qui m'a frappé en le lisant, je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté là-dessus, mais le tremblement de terre, du point de vue de l'espérance, le tremblement de terre est terrifiant parce que la terre, c'est ce sur quoi nos pieds reposent, et donc c'est ce qui nous donne notre assurance la plus immédiate, celle dans laquelle, si on ne peut plus s'appuyer sur la terre,
on ne sait plus où s'appuyer. Mmh. Et donc, la terre qui s'ébranle, c'est précisément cette menace qui vient secouer le lieu même de notre espérance corporelle, de stabilité corporelle la plus immédiate. Oui. Et à l'inverse, le fait que cette espérance-là soit troublée, soit mise en tremblement, fait que tout d'un coup, la nécessité de l'espérance en Dieu réapparaît, et avec cet impératif qui renaît, hein, qu'on retrouve cet impératif de veiller, tenez-vous prêts, tenez ferme dans la foi, etc. Ça correspond, ce que tu dis là, ça correspond à ce que nous avions vu tantôt, n'est-ce pas? C'est que l'espérance a le propre d'ancrer notre fidélité ultime en haut, et non pas en bas. Et donc, alors que ce qui nous paraît le plus solide est en fait que poussière face à cette fermeté qui vient du ciel. Et ça, évidemment, c'est bien ça l'enjeu de l'espérance. Avoir cette sécurité et cette endurance qui viennent d'un ancrage, non pas dans nos propres forces, mais qui viennent réellement de l'ancrage dans le ciel. Avec cette magnifique métaphore très classique de l'espérance comme une ancre qui vient de saint Paul, d'ailleurs. Qu'on retrouve à propos de la foi dans l'Épître aux Hébreux, qui nous parle justement voilà. De la foi. Alors, il y a aussi une chose pour alimenter l'espérance qui me semble digne d'être notée, c'est la promesse du Seigneur qu'il préservera un reste. Vous l'avez entendu, le dernier verset que nous avons lu, c'est le 20e, chapitre 13 de Marc. Si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, aucune chair n'aurait été sauvée, mais c'est à cause des élus qu'il a élus qu'il abrégera ses jours. Donc, ce que le Seigneur promet ici, c'est qu'au cœur de ces tribulations, il y aura un reste fidèle. Et que, que l'Église ne disparaîtra pas. L'espérance doit être, si on mesure notre espérance à l'aune de ce texte-là, elle doit être de faire partie de ce reste. Ça, c'est incontestablement. C'est-à-dire demander au Seigneur la grâce d'être de ce reste qui restera fidèle jusqu'au bout. Mais là, pour le coup, nous avons quelque chose, je trouve, de magnifique, parce que ça nous montre que cette espérance, qui est certes ancrée dans le ciel, elle a aussi quand même une réelle traduction dans les réalités de ce monde. Parce que ce reste dont il parle fait déjà partie, d'une certaine façon, de l'éternité. Et ça dit quelque chose ça dit des choses très fortes sur ce que c'est que l'Église, en réalité. Pour vous le faire sentir, j'ai pris un petit texte de Bossuet, qui est le sermon sur l'unité de l'Église prononcé pour l'Assemblée du clergé de 1681. Alors, mes seigneurs, ce n'est pas moi qui vous parle. Songez que nous devons agir par l'esprit de toute l'Église. Ne soyons pas des hommes vulgaires que les vues particulières détournent du vrai esprit de l'unité catholique. Nous agissons dans un corps, dans le corps de l'épiscopat et de l'Église catholique, où tout ce qui est contraire à la règle ne manque jamais d'être détesté, car l'esprit de vérité y prévaut toujours. Puissent nos résolutions être telles qu'elles soient dignes de nos pères et dignes d'être adoptées par nos descendants, dignes enfin d'être comptées parmi les actes authentiques de l'Église et insérées avec honneur dans ses registres immortels où sont compris les décrets qui regardent non seulement la vie présente, mais encore la vie future et l'éternité tout entière. La comprenez-vous maintenant, cette immortelle beauté de l'Église catholique ? Où se ramasse ce que tous les lieux, ce que tous les siècles présents, passés et futurs ont de beau et de glorieux. Que vous êtes belle dans cette union, ô Église catholique, mais en même temps que vous êtes forte. Belle, dit le Cantique des Cantiques, et agréable comme Jérusalem, et en même temps terrible comme une armée rangée en bataille. Belle comme Jérusalem, où l'on voit une sainte uniformité et une police admirable sous un même chef. Belle assurément dans votre paix, lorsque recueilli dans vos murailles, vous louez celui qui vous a choisi
annonçant ses vérités à ses fidèles. Mais si les scandales s'élèvent, si les ennemis de Dieu osent l'attaquer par leurs blasphèmes, vous sortez de vos murailles, ô Jérusalem, et vous vous formez en armée pour les combattre. Toujours belle en cet état, car votre beauté ne vous quitte pas, mais tout à coup devenue terrible. Que vous êtes donc terrible, ô Église sainte, lorsque vous marchez, pierre à votre tête, et la chair de l'unité vous unissant toutes, abattant les têtes superbes et toute hauteur qui s'élève contre la science de Dieu, pressant ses ennemis de tout le poids de vos bataillons serrés, les accablant tout ensemble et de l'autorité des siècles passés et de toute l'exécration des siècles futurs, dissipant les hérésies et les étouffant quelquefois dans leur naissance, Jésus-Christ votre chef, vous mouvant d'en haut et vous unissant, mais vous mouvant et vous unissant par des instruments proportionnés, par des moyens convenables, par un chef qui le représente, qui vous fasse en tout agir tout entière et rassemble toutes vos forces dans une seule action. On sent ici, c'est quasiment une relecture d'Isaïe sur le petit reste d'Israël guidé par le roi Messie. Hein, c'est... Oui, oui. Alors, tout à fait. Simplement, là, pour le coup, Bossuet l'approprie à l'Église de Rome, bien sûr. Hein. C'est quand il parle de Pierre à votre tête et la chair de l'unité. Jésus-Christ vous mouvant d'en haut avec un chef qui le représente. Donc, ce qui est tout à fait approprié pour expliquer un texte comme celui que nous avons lu, c'est bien cette promesse du reste, à savoir qui est dans les autorités légitimes de l'Église. Le reste n'est pas quelque chose de caché, on ne sait où. Le reste, c'est les autorités que le Christ a instituées et qui tiennent leur autorité d'un pouvoir divin et donc que tout le monde peut identifier. Le pape, nous savons qui il est. Il s'appelle François en ce jour. Et puis avant, il y avait Benoît XVI. Après, il y aura, s'il y a un après. En tout cas, ce qui est magnifique là-dedans, on voit bien que Bossuet nous montre cette force qui vient d'en haut, qui donne cette espèce de, à la fois de contraction et de tension intérieure, et qui permet, sur lequel se brisent les bataillons serrés des hérésies, et qui est exactement la promesse du reste que nous avons dans le discours apocalyptique du texte d'aujourd'hui, du chapitre de Marc. Et ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très fort, de se dire qu'il y a bien une institution visible à laquelle l'éternité est promise et du coup qui donne quand même une sécurité charnelle à notre espérance, à savoir l'Église, ses sacrements et puis tous ceux qui veulent vivre en communion avec le vicaire du Christ. C'est ça, c'est une espérance qui n'est pas sans signe concret pour savoir où se porter. Exactement, voilà, parce que le Christ nous a fait cette miséricorde-là de nous promettre que cette médiation visible ne ferait jamais défaut jusqu'à l'achèvement du temps des douleurs. Frère François, donc cette dimension de l'espérance pour tant d'apocalypse ou pour tant de tribulations, comment est-ce que tu l'aperçois ? Ben, d'abord, on écoute ce texte tiré de l'Évangile selon saint Marc avec une saveur très particulière aujourd'hui, parce qu'au fond, si on se reporte encore 2 mois en arrière, il me semble qu'on en était encore à une humanité qui s'imaginait, au fond, réaliser par elle-même quelque peu son salut, de facto, même si ce n'est pas le vocabulaire qu'elle emploie, mais je pense en particulier aux grandes emphases qui entourent le transhumanisme, c'est quand même bien de cela qu'il est question. Et puis voilà qu'on constate que, là on parle de, Saint-Marc parlait, enfin, le Christ parlait d'épidémie, un micro-organisme en quelque sorte, vient mettre à bas, en quelques instants, au fond, ce qui apparaît comme, au fond, une espèce de nouvel avatar de Babel. Et alors du coup, si on n'y prend pas garde, justement on risque de tomber, pour le coup, dans une espèce de désespoir. Parce qu'au fond, tombant de nos illusions de puissance, nous sommes confrontés à nos impossibilités. On appuyait notre espérance sur cette Babel. Cette Babel est en train de chanceler.
Et donc, tout d'un coup, toutes nos espérances s'évanouissent, voilà. On se retrouve sans appui. Et alors, sans... c'est la crainte qui peut s'envahir de nous, qui peut, on le voit très très bien, spontanément, et qui peut envahir le monde. Et c'est là que je trouve que ce texte, effectivement, comme on le dit, à travers son équilibre, est très intéressant. Alors, le point que je voulais relever, c'est le suivant, c'est que, effectivement, ce qu'évoque Jésus dans ses paroles, ces faits catastrophiques, hein, guerre, famine, épidémie, etc., concerne-t-il ces faits, je dirais, la fin du monde, hein, ou la fin d'un monde? Et en substance, faut-il, au fond, espérer pour ici-bas un autre monde qui prendrait la suite de celui-ci? Au fond, est-ce que ce dont on vient de parler, ça pourrait prendre la figure d'une nouvelle ère messianique, pour le coup, sur la terre, avec le petit reste, justement, entourant le Christ revenant dans la gloire, hein, un état parousiaque, si je puis dire, de l'humanité. Vous savez que cette conception des choses a été tenue, et au fond, à maintes reprises, finalement, un peu dans l'histoire de l'Église, et c'est ce qu'on appelle, en se référant à un texte évidemment célèbre de l'Apocalypse, au chapitre 20, le millénarisme. Hein, ce temps de 1000 ans sur la terre, dans lequel Satan étant vaincu, justement, le vainqueur de Satan, avec précisément les élus, vivrait justement avant l'entrée définitive dans la gloire. Si je comprends bien, en fait, pour prendre le cas de notre situation, on avait mis toute notre espérance dans Babel, Babel est en train de chanceler, et donc on se retrouve sans espérance, et donc on reporte en fait notre espérance, dans, non pas dans le monde qui est en train de s'effondrer, mais dans, avec la même naïveté, on reporte notre espérance, non pas dans le monde qui est en train de disparaître, mais dans un nouveau monde qui devrait être absolument parfait, et qui va venir, et voilà. Qui va remplacer l'ancien, ça sera un monde dans lequel on pourra avoir une vraie espérance. Oui, mais alors là, dans une conception chrétienne des choses, justement, et c'est là qu'il y a, au fond, c'est ce que va dire l'Église, progressivement, une espèce de contresens par rapport, justement, aux annonces du Christ et à la façon de les comprendre. Je crois d'ailleurs qu'on peut dire que c'est largement saint Augustin qui va, au rebours, par exemple, de certains propos qui sont bien connus, de saint Justin, ou surtout de saint Irénée, d'ailleurs, hein, dans le Contre les Hérésies, donc chez les Pères apologètes, c'est saint Augustin qui... au fond, va nous aider à comprendre que ce temps de 1000 ans et ces paroles mêmes là du Christ doivent être comprises aussi d'une façon en un sens réel mais symbolique et comme signifiant que ces temps précisément qui sont annoncés, ils sont déjà commencés par la venue du Christ et sa victoire sur la mort. Et que précisément, les élus dont il est question sont ceux précisément qui vivent de cette victoire du Christ et qui l'accompagnent dans les tribulations justement actuelles que connaît notre monde jusqu'au retour glorieux du Christ. Alors, c'était évidemment très important dans l'Église de corriger ces conceptions erroné, mais vous savez que c'est revenu à plusieurs reprises, et en particulier au Moyen-Âge, au XIIe siècle, hein, un personnage qui a eu un assez gros impact, hein, un moine calabrais, Joachim, abbé de l'abbaye de Flore, hein, justement, à son époque, affirmait que le temps de l'Église, tel que nous le connaissons encore actuellement, au fond, n'est pas le temps ultime, et que nous sommes dans l'attente de la venue d'un temps de l'Esprit-Saint, qui d'ailleurs, pour lui, était commencé d'ailleurs avec l'apparition des ordres mendiants, nous pouvons en sourire, mais qui justement allait se déployer et qui allait faire entrer justement l'humanité dans une ère en quelque sorte nouvelle, l'ère de l'Esprit. Hein. Bon. Donc vous voyez, même le corps de l'Église, lui, a connu aussi ces tentations au fond messianiques, hein, de réalisation finalement trop temporelle de ce que le Christ ici annonce. Alors évidemment, notre monde a connu et connaît, alors d'une façon je dirais profane et de façon renouvelée à l'époque moderne et à l'époque contemporaine bien entendu, de telles illusions. Hein. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. Et justement cette conception finalement messianique, vous voyez, d'un monde qui atteindrait en lui-même sa plénitude, parce que c'est bien cela que l'on cherche à réaliser, imprègne complètement, je dirais, les messianismes modernes,
qu'il s'agisse de la logique de l'histoire façon Hegel, qu'il s'agisse de la planification de l'histoire façon Marx, qu'il s'agisse de du renouveau de l'histoire façon de Troisième Reich. Je vous rappelle que le Troisième Reich devait durer 1000 ans, lui aussi. Bon, il n'a duré que 12, mais quelle 12 années hein, dans l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'il faisait dire justement à Joseph Ratzinger, le salut planifié, voilà justement hein, l'illusion humaine, hein, c'est le salut des camps de concentration et par suite la fin de l'humanité. Hein. Et je crois que il ne faut pas l'oublier. Hein, et je crois que c'est cela qui est en cause, voyez-vous. C'est la grande question. Hein. Au fond, qui nous est posée, que nous ne pouvons pas ne pas nous poser, à mon sens, que nous devons nous poser, est-ce que l'histoire des hommes, notre vie, notre monde, trouve sa fin en lui-même, ou bien faut-il l'attendre d'un autre, le Christ hein, est-ce que, autrement dit, il faut continuer de vivre comme c'était encore le cas il y a peu, hein, il y a un mois, il y a deux mois, avec l'illusion, au fond, d'une plénitude de la vie qui serait apportée dans le monde par la seule raison hein. Et les techniques humaines. Voilà, c'est ça. Avec toute la grandeur, justement, de la raison humaine, si vous voulez, mais est-ce qu'elle est à elle-même, elle est par elle-même ce qui va apporter la plénitude de la vie à l'homme hein. Alors, à ce sujet, je voudrais vous lire un ou deux petits extraits d'un livre de Joseph Ratzinger qui s'intitule « La mort et l'au-delà », justement, où il médite, et notamment dans la lumière, d'ailleurs, des pères de l'Église, hein, sur ces questions-là, hein, et à partir également de l'histoire de l'Église. Hein. Alors il dit ceci, hein, pourquoi dans l'Église a-t-on refusé le millénarisme qui aurait permis de faire de l'instauration de l'état parousial que j'évoquais hein, une tâche pratique? Eh bien il dit, le sens de ce refus, c'est que l'Église n'admet pas l'idée que l'histoire trouve ou puisse trouver au sein d'elle-même la plénitude de sa dimension. Par suite, l'espérance du chrétien n'implique aucunement l'idée d'un accomplissement intrinsèque de l'histoire, c'est-à-dire immanente à elle-même. Hein. Elle dit au contraire, expressément, qu'un tel accomplissement du monde est impossible. Les divers éléments qui, dans la Bible, donnent une idée de la fin du monde, comme notre texte d'aujourd'hui, hein, ont justement en commun de refuser l'attente d'un état de salut définitif au sein de l'histoire. Hein. Et je crois que c'est le grand enjeu, et je crois que c'est... Nous cherchons tous à avoir, au fond, un regard, une compréhension de ce que nous vivons aujourd'hui. Et je crois que, voilà, c'est dans cette ligne qu'il faut chercher à trouver les lumières qui proviennent du Christ et qui sont jetées sur ce que vit notre monde. Et... Parce que ça me paraît très important pour aujourd'hui, dans la mesure où la perte des espérances de ce monde, dans ce monde, qu'on formait dans ce monde... et qui est en train de se reprojeter sur le futur en se disant on a tiré les leçons, ou on va refaire les choses à neuf, ou on va tout détruire et rebâtir à neuf. Tout cela, en fait, c'est toujours la même manière de s'enfermer dans une espérance que nous nous donnons à nous-mêmes le salut. Absolument. Hein? Absolument. Et donc, c'est toujours un moyen de refuser que Dieu donne le salut. Voilà. Et même ce que dit Joseph Ratzinger, c'est finalement quand il parle de cet enfermement dans l'histoire, d'un salut qui sera à l'intérieur de l'histoire, c'est en fait le refus d'une destinée au-delà de l'histoire, d'une destinée plus grande que notre seule existence humaine. Voilà. Alors que l'existence humaine ne cesse de nous montrer, et ce que nous vivons en ce moment nous le montre avec acuité, les limites justement de ce que nous pouvons faire, eh bien, cependant, nous persistons sans cesse à revenir à cela. Alors, il ne s'agit pas, justement, de diminuer, je dirais, la grandeur en même temps de la raison humaine, mais il s'agit de la replacer à son niveau. Alors, j'aurais terminé par une assez belle, en fait, je crois que c'est un peu une méditation de Ratzinger là-dessus, justement, et à partir de la résurrection du Christ. Hein, parce qu'il dit ceci, « Ainsi, croire au retour du Christ, c'est d'abord nier que le monde puisse trouver sa plénitude au sein de l'histoire. Et c'est précisément cette attitude de refus qui préserve l'homme de la déshumanisation. Hein? Car en fait, livré à ses seuls moyens, l'homme se déshumanise. Évidemment, si l'on s'en tenait à cette seule attitude de refus, hein, la résignation aurait le dernier mot. Hein? Alors on ne peut rien faire, en quelque sorte. Bien non.
Mais la foi au retour du Christ est en outre la certitude que le monde s'accomplira, non pas en vertu d'une raison planifiante, mais du fait de l'invincibilité de l'amour qui a vaincu dans le Christ ressuscité. Et cela nous renvoie très précisément à ce que nous vivons dans ce temps pascal. Croire au retour du Christ, c'est croire que finalement c'est la vérité qui jugera et que l'amour triomphera, mais seulement en transcendant l'histoire d'ici-bas, qui finalement appelle elle-même ce dépassement transcendantal. L'histoire ne peut trouver qu'en dehors d'elle-même sa plénitude. Quand on admet cela, quand l'histoire est vécue pour être transcendée, alors elle s'ouvre chaque fois à sa plénitude. Alors la raison garde sa place et reçoit l'obligation d'œuvrer selon ses propres règles. Alors aussi, l'espérance garde sa place sans être dénaturée en laboratoire. J'aime assez cette expression, je veux dire. Le salut du monde, c'est que le monde en tant que tel soit transcendé. Le Christ ressuscité est la certitude vivante que ce dépassement transcendantal, sans lequel le monde reste absurde, ne se heurte pas au néant, que par conséquent l'histoire peut être vécue positivement et que notre action rationnelle, pour limiter et précaire qu'elle soit, a un sens. Et par suite, l'antéchrist, dont il est question dans l'Apocalypse, est la fermeture absolue de l'histoire sur sa propre logique, comme antithèse à celui dont l'Apocalypse, au premier chapitre, nous dit « Ton œil verra enfin le flanc ouvert », c'est-à-dire le Christ crucifié et ressuscité. Voilà. Et ça, je crois que c'est la lumière que la révélation nous autorise justement à poser sur des événements comme ceux que nous vivons aujourd'hui. Et ce qui est je relève là, que tu as relevé la formule, l'espérance qui transforme le monde en laboratoire, parce qu'elle exprime très bien, c'est que dès lors que l'homme se fixe à lui-même l'espérance de son salut, cela veut dire qu'il faut tout de suite le mettre en pratique, c'est-à-dire qu'il va falloir immédiatement mobiliser le monde en vue de réaliser. C'est pas simplement de 12 utopistes, c'est pas simplement on rêve de se sauver, c'est pas simplement de la velléité. Celui qui a une espérance que l'homme se donne à lui-même le salut va se charger pour nous de nous embrigader dans une transformation du monde et dans un projet totalitaire dans lequel tout le monde va y perdre. Au fond, c'est compréhensible, parce que nous voulons nous assurer, de la viabilité de nos propos, et donc il faut les réaliser. Et nous vivons à l'ère des utopies réalisées, mais nous en avons déjà un certain nombre à notre actif au siècle dernier, et je me demande si, à l'issue de l'effondrement des utopies du siècle dernier, nous ne vivons pas le triomphe, que dire, de l'utopie libérale, pour le dire simplement, mais qui, ceci pour exprimer simplement, la prétention de l'homme de réaliser le salut du monde par lui-même. Et c'est ce que ce micro-organisme invisible à l'œil nu a mis à bas en quelques instants. Je voudrais, pour ma part, insister sur cette petite phrase du « Celui qui tiendra avec constance jusqu'à la fin sera sauvé ». Les conditions de cette endurance dans l'espérance. La nécessité d'être, on l'a vu dans tout ce que nous avons dit précédemment, la nécessité d'espérer, elle n'est possible que dans la mesure où on met son espérance en Dieu, c'est-à-dire où on a une espérance qui est bien calée ou qui est bien orientée vers sa fin, vers son but. Et ceci oblige à passer au crible les biens dans lesquels nous espérons. Nos espoirs sont passés au crible parce qu'il faut que tous, de quelque manière, se rapportent à cette fin vers laquelle Dieu nous appelle. Et donc, je voudrais repartir un peu de cette question de l'espérance passée au crible dans les temps de tribulation, de l'espérance qui est réorientée, qui doit en tout cas retrouver son orientation dans les temps de tribulation. Et je voudrais repartir pour cela d'une petite réflexion de Thomas sur le rapport de l'espérance à la vérité.
ici, il s'agit bien, comment est-ce que je sais, est-ce que mon espérance est bien en Dieu, ou est-ce qu'elle est dans un salut humain? Voici ce qu'il dit. Le vrai, la vérité, est le bien de l'intelligence. En revanche, la vérité n'est pas le bien de la volonté, de la puissance d'appétit. C'est pourquoi toutes les vertus qui portent l'intelligence à sa perfection excluent totalement le faux. Plus on devient vertueux dans des vertus intellectuelles, et plus la vérité s'impose, ou en tout cas la recherche de la vérité devient l'axe de la vertu. En revanche, les vertus qui portent la puissance d'appétit, la volonté à sa perfection, elles n'excluent pas d'elles-mêmes totalement le faux. Ainsi, quelqu'un peut tout à fait agir pour la justice ou de manière tempérante, tout en ayant une opinion fausse sur la justice ou sur la tempérance. On trouve des gens tout à fait de bonne volonté qui pratiquent la justice, mais qui ont une idée très fausse ou très imparfaite de la justice. Et donc on voit bien ici que les pratiques, les vertus de l'ordre de la volonté, les vertus qui perfectionnent la volonté, elles n'excluent pas d'elles-mêmes qu'il y ait des erreurs. Ainsi, si la foi porte l'intelligence à sa perfection, tandis que l'espérance et la charité portent par la partie appétitive de nous-mêmes à sa perfection, on ne peut raisonner de la même façon pour l'une et pour l'autre. Cependant, il faut ajouter que l'espérance non plus ne supporte pas le faux. En effet, quelqu'un qui a la vertu théologale d'espérance n'espère pas entrer en possession de la vie éternelle par ses propres forces, car ce serait de la présomption. Mais il espère entrer dans la vie éternelle avec le soutien de la grâce. Car s'il persévère avec ce soutien, il recevra infailliblement la vie éternelle. Et donc, on voit que, autant l'espérance n'exige pas, par exemple, la connaissance de toute la vérité de la foi catholique, mais, cependant, il y a nécessité que l'espérance ait une certaine vérité si elle veut toucher juste. Il faut qu'elle vise la vie éternelle, rien moins, et il faut qu'elle sache qu'elle vise la vie éternelle avec le secours de la grâce, car il n'y a que Dieu qui peut me donner cette vie éternelle, je ne peux pas l'obtenir par mes propres forces. Et ceci oblige à remettre de l'ordre dans les biens que nous espérons. Et je voudrais, de ce point de vue, revenir à cet ordre des biens tel que Thomas l'expose dans un texte de la Somme contre les gentils. Le bien suprême de l'homme, donc il met en ordre les choses par ordre d'importance. Le bien suprême de l'homme, c'est le bonheur qui le comble, ce qu'on appelle la félicité, qui est sa fin ultime. Plus quelque chose s'approche de cette fin, plus son rang est élevé parmi les biens humains. Et donc, ce qu'il y a de plus proche de cette fin, qui est le bonheur qui comble, ce qu'il y a de plus proche de cette fin, c'est la vertu. Pourquoi ? Parce que la vertu, c'est ce qui permet d'agir en vue de cette fin. La vertu, c'est ce qui perfectionne l'âme, ce qui la rend forte, disponible à faire le bien. Et donc, développer les vertus, c'est développer le chemin, le moyen d'accéder à la fin. Ensuite vient aussi la bonne disposition de la raison, ainsi que des puissances qui lui sont soumises. Car, en effet, pour savoir comment bien agir, il faut avoir un usage à peu près ordonné, à peu près droit de la raison. Et puis ensuite vient la santé du corps. La santé du corps, elle est nécessaire pour agir avec aisance. On a besoin d'être un peu délivré des maux qui nous accablent dans le corps pour pouvoir être un peu nous-mêmes et agir normalement. Enfin, il y a les choses extérieures, les biens extérieurs, dont nous nous servons comme d'auxiliaires pour la vertu. Donc si je résume cet ordre des biens, le but ultime, c'est ce bonheur qui compte, cette félicité qui est la béatitude, la vie éternelle avec Dieu, et puis en dessous, le bien de la vertu humaine, le bien des bonnes dispositions de la raison, une bonne manière de raisonner, ensuite la santé du corps, et puis enfin les biens extérieurs.
Cette échelle des biens nous donne aussi l'échelle des maux, l'échelle des peines, ce qui nous afflige le plus. La plus grande peine pour l'homme, c'est d'être exclu de la béatitude. Ensuite, c'est d'être privé de la vertu, ou d'une perfection des puissances naturelles de l'âme pour bien agir. Vient ensuite le désordre des puissances naturelles de l'âme, parce que si on n'arrive pas à agir normalement, par exemple une maladie psychologique, ou des manières fausses de penser, eh bien, tout ce que l'on fera ne conduira pas à ce qu'on en attendait, et donc on sera dans la peine. Puis vient le préjudice corporel, et enfin la privation des biens extérieurs. Or, si on suit cet ordre des biens, on se rend compte qu'il est à peu près inverse de l'ordre des biens dans lequel notre monde se déploie et se complaît. Aujourd'hui, on craint plus de perdre en bourse que d'être avare ou fraudeur ou intempérant dans la richesse. Or, ce qui compte, c'est la vertu et non pas le bien extérieur. Ou en tout cas, la vertu compte plus que le bien extérieur. Le bien extérieur est utile, il est toujours utile, mais s'il n'est pas premier par rapport à la vertu. Et donc, les épreuves viennent mettre à l'épreuve la recherche du bien. De sorte que, dans une période comme la nôtre, on est obligé de se demander « mais quels sont les biens pour lesquels j'agis ?» Quelles sont les priorités des choses importantes de ma vie humaine? Qu'est-ce que je recherche? Et de sorte que ceux qui s'étaient assoupis dans la vertu retrouvent une espérance plus ardente lorsqu'ils reçoivent des peines dans des biens qui sont inférieurs. Par exemple, eh bien, effectivement, le risque de perdre un peu de notre confort matériel nous oblige à nous dire, mais est-ce que finalement c'était ça l'essentiel? Par exemple, lorsque, à cause de cette perte de confort, je vais être obligé de retrouver une solidarité humaine, familiale, des liens plus étroits avec des amis et des proches, dans lesquels on va se soutenir les uns les autres, et là on va s'apercevoir que finalement les biens de l'amitié sont supérieurs aux biens matériels, et qu'on peut vivre plus simplement, tout en étant en fait plus heureux, parce que ça réjouit plus notre âme. Mais ceux qui avaient mis leur espérance dans les biens de ce monde, eux, sont conduits à découvrir la primauté des biens spirituels. Ou alors, s'ils ne veulent pas le découvrir, s'ils refusent et s'ils ne veulent pas se convertir vers les biens, les vrais biens, et le vrai bien qui est Dieu, eh bien, s'ils ne veulent pas retrouver cette espérance dans le vrai bien, eh bien, ils recevront une peine conforme à leur faiblesse, à leur vice, qui est que, eh bien, si on a mis tout son cœur dans ses richesses, le jour où la crise frappe, eh bien, on perd le sens de la vie, et on perd même le goût à la vie. Voilà. Je reviens maintenant, donc, une fois cela dit, sur le sens de ces tribulations que nous rencontrons. Et je vais me concentrer juste sur un aspect qu'on n'a pas abordé pour l'instant, qui sont les persécutions, où l'on va voir comment justement l'espérance, en fait, est ce qui nous attache et ce qui nous permet de traverser des persécutions qui même peuvent être très dures et très graves. Voici un commentaire de Thomas sur Matthieu 10, 21. Le Christ explique la cause des persécutions en Jean 15, 18. « Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car le monde aime ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, le monde vous hait. Mais le Seigneur promet la consolation. » Voilà cette ambivalence qu'on a repérée dans notre texte de Marc, entre d'un côté l'annonce de fléaux, et puis de l'autre, en fait, la confiance et la consolation. « Mais le Seigneur promet la consolation lorsqu'il ajoute que c'est en mon nom que vous serez persécutés. En effet, comme pourrait le dire le Christ, il doit vous être doux de souffrir en mon nom, comme le rappelle la première épître de Pierre, si vous êtes outragé au nom du Christ, bienheureux êtes-vous. Et donc, on voit ici l'espérance qui trouve son bien dans la joie d'être du Christ, d'appartenir au Christ.
C'est cela, la béatitude de ceux qui sont outragés au nom du Christ. Ils appartiennent au Christ, ils sont dans le Christ. Et donc, être outragé au nom du Christ n'est pas pour eux une tribulation. De même, ou en tout cas ne les ébranle pas, ne leur fait pas perdre d'espérance. De même, le Seigneur donne une autre raison pour les réconforter, qui est que la tribulation doit arriver en vue d'un plus grand fruit. C'est en effet, dit Thomas, parce qu'il voyait à l'avance que nombreux seraient ceux qui tomberaient, qu'il les exhorte à la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et de même, on trouve, Paul dit dans la deuxième épître à Timothée, « J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice, qu'en retour le Seigneur me donnera en ce jour-là, lui, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son apparition. » Autre petit texte, et je finis par là, sur le psaume 26 au verset 3, le psalmiste qui dit « Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte, qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là mon espérance. » Et Thomas commente ainsi « L'homme doit obtenir une sécurité en deux circonstances, soit au milieu des machinations de ses ennemis, soit au milieu des coups qu'il endure lorsque ses ennemis l'attaquent. » Dans le premier cas, aussi longtemps que l'homme est dans le camp, qu'une armée vienne camper contre moi et moi je suis dans mon camp, il ne combat pas mais il se dispose et projette de combattre. Et son cœur ne craint pas car le Seigneur est avec lui. Comme dit Job, « Place-moi auprès de toi et que la main de qui que ce soit combatte contre moi. » Mais si une guerre éclate contre moi, voilà la persécution, c'est-à-dire s'ils m'attaquent et combattent contre moi, bien qu'ils soient nombreux, le psalmiste dit « J'ai là mon espérance. » Comme il est dit au premier livre des Maccabées, « La victoire à la guerre ne dépend pas d'une armée nombreuse, mais c'est du ciel que la force vient. » Et voici le commentaire de Thomas. « En effet, il est habituel à des amis de s'entraider lorsqu'ils sont combattus par des ennemis. » Et il cite le psaume 93, « Tes consolations ont réjoui mon âme. » Et je voulais finir par ça parce que dans le texte de Marc, on voit le Christ apporter une consolation. Et c'est véritablement la consolation de l'ami qui dit « Je serai avec toi dans ton épreuve ». C'est à ses apôtres, il y a cette charité du Christ pour ceux qu'il aime et qui en fait est le socle de leur espérance. Chose qu'on a vu dans des épisodes précédents, comment la charité en fait ancrait l'espérance parce que on sait que l'ami ne nous lâchera pas et que Dieu ne nous lâche pas. Cette fidélité de Dieu, de l'amour de Dieu qui est inébranlable et qui toujours alimente l'espérance et le retour à l'espérance. Qui passe aussi du coup par l'amitié avec les fidèles. Et qui passe, frères dans la foi. Voilà. Qui passe par l'amitié avec les frères dans la foi, évidemment. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram. Thank you.